en a to be, n'a qu'à sa question. C'est avec Pierrot, Lulu et Mohamed qu'on se retrouve sur les marches de l'escalier du bâtiment C de la cité des marronniers. De notre cité dortoir, là où boulot rime avec dodo. On coince une allumette dans la minuterie. Et entre l'ascenseur et les boîtes aux lettres, en moins de deux, ça y va les commentaires. Discussion de la folie. On refait le monde en jean et en basket usé, le chewing-gum à la bouche. Il est minuit, la vérité. Il y a Pierrot, le rocker. Avec ses sentiers qui pointent dans le paradis. Son perfecto, je te raconte pas, cuir véritable, hein, poro et ça. Et sa banane gominée, nostalgie d'Elvis. Il adorait, Pierrot, la banane. Rencontrer sa petite phrase des bois pour se faire une salade de fruits. Ouais. Et se payer un voyage à Memphis pour aller jouer sur la tombe d'Elvis un morceau de sa composition. À mon avis, il a tout faux. Rien quand il me joue Jeux interdits, je meurs. J'arrête pas de lui dire qu'il arrête de faire le voyage pour rien. Le King, il est déjà mort une fois. Il persiste, hein. Lulu, the intellectuel. Celui qui a tout lu. De téléstar à télépoche. The big lunette, qu'on l'appelle. Triple foyer. Là. À cet œil, il a 3 et à l'autre, il a moins 7. Tu vois le genre? Il louche. Ouais, il louche. C'est à force de regarder Canal Plus en déconneur. Hey, il veut arrêter ses études pour faire du maquettisme. Enfin, hey, il paraît que ses parents lui ont rajouté le plus gros verre à ses lunettes. Il dit que maintenant, quand il regarde un match à la télé, il est sur le terrain. Ma parole, hein? Ah ouais? Ah ouais? Et puis attends, il y a Momo! Mohamed! La merguez ambulante! Le bel monde du désert! Momo! Hé! Père algérien, mère bretonne! 55 ans! Couscous au piquet, quoi! La marque est française, mais le couscous, il vient de là-bas! Momo, le déraciné, celui qui perd ses feuilles parce qu'il s'est retrouvé là! Alors putain, Momo devient un restaurant pour lui toute sa famille, où il y aurait des cris. Chez Momo! Au roi du couscous! Spécialité en tout genre est pour tout le monde! Alors il y aurait sa mère à la cuisine, directrice en chef pour la supervision de la marche à suivre. Zarma, elle aime bien les phrases qu'il a plate. Alors assis sur le tabouret, un œil sur la cuisson et l'autre sur les dernières parutions de mode et travaux. Pour les humains. Les chocs de fronton, quoi. Son père, lui, derrière la caisse électronique, il y aurait qu'à appuyer sur les touches. Vérification des commandes, date dans l'encaissement. Enfin, comme il dit son père, le principal dans la vie, plus ça rentre, moins ça sort, plus te gagne. Ah, il m'éclate, son père, il m'éclatait. Il s'est acheté une maison en Algérie. Ouais. Depuis qu'il a vu dans la salle à télé, c'est monté la tête. Il a même téléphoné à la télévision américaine pour avoir les mesures de la cheminée. Ma parole, hein. Alors, attends, le samedi soir, vers 18h, réunis au sommet pour les pronostics du tiercé. Il y a le père de Momo, le père de Rachid, le père de Oulage, enfin, ils sont tous là. Chacun a mis le périodique sur la table, les binocles, tout l'attirail, quoi. Madame Momo, prête sur son starting block. Pour aller servir les cafés et les petits gâteaux. Et les engueulades commencent. Pire qu'au service des passeports dans l'ambassade d'Algérie. Il y a le père de Momo, il met 8 en favori. Attends, il y a le père de Momo, mais il met 8 en favori. Le père de Youssef, il n'est pas d'accord pour lui, c'est 14. Mais non, pour le père de l'âge, lui, c'est 3. Alors pendant 2 heures, 3 heures, sans engueulé les chiffres. 8, 14, non, t'es le 3. Mais moi, je t'ai dit. Le père de l'Indienne, lui, il a tout compris. Toutes les semaines, il joue la date de naissance à sa fille. 4, 6, 63. Radical. Ah, radical. Eh, seulement, ça fait 10 ans qu'il attend le course avec 63 partants, déjà. Ah ouais. Hé, hey, dans notre bâtiment, chacun a ses différences. Il y a ceux qui se disent bonjour, il y a ceux qui ne peuvent pas se voir. C'est comme à l'ONU, quoi. Chacun parle une langue différente et pourtant, tout le monde habite ensemble. Madame Acarias, du 4e droite. Alors, elle, depuis qu'elle a entendu Linda de Souza à la radio, elle s'est montée la tête. Elle a vendu son aspirateur pour enregistrer un 45 tours. Enfin, elle a gardé la valise en attendant que ça cartonne, hein. Monsieur Boulot, agent d'entretien comédie, qui rentre quand tout le monde se lève. Christian, de 2e droite, celui qui nous répare les meubles pour trois fois rien. Un as comme mécanicien. Monsieur Lucien, 6e gauche, qui a fait l'Algérie. Quand encore les idées enveloppées dans les journaux de l'époque. Celui qui nous aime pas, qui peut pas nous voir en peinture. Le jour où il comprendra qu'on est la 2e couche.
Attends. Attends, attends que ça sèche, hein. C'est pas fêlé, hein. La famille Melaoui. Et puis au centre-ville, qui retourne tous les ans en Tunisie, comme on va en pèlerinage. Gérard, l'animateur de la radio locale. Et ma parole, il s'est défoncé comme un fou pour nous avoir des places pour le concert d'Igelin. C'est ce qu'on a fait pour la remercier. On lui a monté son antenne pour sa radio locale. Facile, si tu as dit, souder les uns sur les autres. On marre toi, ça marche, hein. Madame Zoukarine, la concierge, Hélène, sa fille. Alors, autre jour, sa fille, coincée dans l'ascenseur pendant 3 jours. Elle allait porter un télégramme à la grand-mère de Nordine. Je dis pas la grand-mère, 85 ans, il lui reste plus qu'une dent. Le reste à la Banque de France. Ma parole. Hé, hey, sur le télégramme, il y avait écrit: j'ai oublié de fermer le gaz, stop. Ne touche à rien, stop. Fuite probable, stop. Tu parles, quand on allait coincer l'ascenseur, c'était trop tard. La grand-mère était sur le toit, tout au long des galeries de la radio locale, elle arrêtait pas de gueuler. Au secours, ça sent mauvais. Hé, hey, quand elle a vu les pompiers sur l'échelle avec les masques d'oxygène et le baston, elle a cru que c'était le retour de Batman, son petit là-bas et tout, hein. C'est vrai, hein. Attends, c'est pas fini, attends, l'autre, c'est une grande famille et tout. Attends, c'est pas fini, l'autre. Il y a aussi Yasmina. T'as les capins, Yasmina? Oh là là. Ça comme la gonzesse, hein. Hé, tous les mecs de la cité la calculent, ouais. Hé, hey, elle a les yeux tellement bleus que rien quand tu la regardes, t'as l'impression qu'il y a la mer derrière toi. Elle veut être avocate. Genre, Gisèle Halimi. Défendre la cause de ceux qui n'ont pas tort. Alors, pour gagner sa vie, elle travaille au supermarché avec sa cousine Annie. Alors, je te raccompagne. Alors, pour faire le tour, il faut un minibus. Ma parole. Elle ne me lâche plus depuis la scène d'eau. Depuis 15 jours, je veux faire un bonbon qui était resté comme la poche depuis la maternelle. Elle a cru que j'étais des armes à Love Story. Oh non, c'est pas. Dormez, non. Oublie-moi, non. Attends, c'est pas fini. Aussi Nordine. Nordine, tu connais pas Nordine? Oh, Nordine. Enfin, ce soir, elle peut pas venir parce que demain, il a un match sur le terrain vague. Derrière la cité. Oh, tu verras notre terrain vague, ma parole. À côté de Bercy, c'est une salle de gym. C'est le seul endroit où tu peux faire du football, du rugby, de l'athlétisme, de la course à pied, décharger les poubelles, réunion syndicale, garderie d'enfants, tout en même temps sans emmerder personne. Et pour le football, t'as même les fleurs qui poussent sur le terrain. Comme ça, t'as déjà le bouquet pour les vainqueurs et tout, hein. Et puis attends, c'est pas fini, t'as aussi les balcons pour les supporters. Tu verras la mère de Nordine assise, 4e étage, elle surplombe le terrain. Le cul entre les pots de fleurs. Akawa. À chaque fois que Nordine marque un but, sa mère est tellement contente qu'elle s'arrache les cheveux. Ah, vas-y mon fils. Elle attend la mi-temps pour se coiffer. Et la parole, le tonjon Nordine, il a marqué 4 buts de suite. Je te raconte pas la coupe. Ah, on passe, attention, Nordine, futur du PSG, hein, ça je peux vous l'assurer. Hein. Et dans la lueur des lampadaires, on entend au loin, alors là, grave. Les keufs. Les ch'tarponnes. En français, la police. En arabe, la boulée. La cocotte minute. Avec son gyrophare bleu qui fait pas un pont quand elle se fâche. Eh, ma parole, ils font 4 fois que ton du pointé de maison lentille et après le pâtir, ton dans le panier à salade pour prendre résistance. Alors tu vois le genre. Putain, 4h du mat. Chacun va retrouver le train-train habituel et le train-train de banlieue. Chacun pour soi et pour sa compte. Il y a le père de Nordine qui déboule les escaliers. La gueule encore dans le coltard avec son sac Zarma Bonjour les Kabylie. Eh oui. Il va rater son train. Il nous pousse une de ses gueulantes. Farce 7. Espèce d'enculé de la porte, acte de nous oublier. Moi, j'avais 40 ans que je travaille en France. Je ne peux pas la travailler comme tout le monde et tout ça. Tu es regardé le cinéma, tu as sur les marches, tu te connais. Rien à foutre, ça va travailler. N'a qu'une conscience, tu n'as qu'une conscience. Attention, je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est comme ça? Attention,
la vérité, c'est je mens. Alors, c'est Lulu, vous voyez Lulu? Ça va, vous suivez, Lulu? L'intellectuel, celui qui cause mieux qu'on cause, qui a parlementé. Oh, excusez-nous, monsieur. On a regardé le match, on a mis ça sur les marches. Effectivement, quand on regarde l'heure, il est peut-être un peu tard. Qu'est-ce que t'as à la rente, là? Non, je dis, il est peut-être un peu tard. Un peu tard, t'es fou là dedans. N'a-t-il pas Saloperie, hein? Alors, pour les paires de moments, pour les chiffres, oui, mais alors pour les lettres, là, on abandonne, hein? Alors, sans jouer les cow-boys, sans jouer les cow-boys, on écrase les cigarettes, on avale les chewing-gums et on oublie tout. Il y a Pierrot qui en profite pour recoiffer sa banane, devant la glace de l'ascenseur. Il y a Lulu, il y a quatre pattes devant le garage à vélo qui essaie de recoller le reste de ses lunettes. Et puis il y a Momo. Vous savez, Momo, qui retire un par un les prospectus de sa boîte aux lettres. Et c'est avec Pierrot, Lulu et Mohamed qu'on se retrouve dans l'ascenseur du bâtiment C de la Cité des Marronniers. Oh, on n'a pas vu le temps passer. On se quitte à l'étage. Ciao mec, bye, à la prochaine. Ah, au fait, faut que je vous dise, ce soir, moi, je ne pas la partie. Je vais me faire une toile avec Albert. On va voir Rocky IV. Allô, t'es... On peut rêver, non ?